BFM Business, le focus de Tech & Co. C'est la bataille des crypto-monnaies, c'est la bataille de l'été. Si vous avez suivi un peu l'actualité high-tech, voilà, vous avez dû voir, comme moi, ce cours du Bitcoin qui est monté 2000 euros fin juin. Il est à plus de 3600 euros aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a un autre Bitcoin qui est arrivé, puis ça a créé des batailles. On va en parler avec nos experts. Ils sont avec nous. Pierre Entremont, qui est principal chez Autium Venture. Bonsoir. Bonjour, Frédéric. Merci d'être avec nous. C'est un fonds d'investissement donc spécialisé dans la tech. Et puis avec nous, Nicolas Bacca. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes cofondateur et CTO de Ledger. Vous proposez des portefeuilles de crypto-monnaies. Vous allez nous expliquer tout ça, parce qu'on va revenir sur le fonctionnement du Bitcoin, de la crypto-monnaie, de la blockchain. Voilà, c'est toujours des concepts dont on a l'impression qu'on les utilise fréquemment, mais voilà, il faut toujours réexpliquer un peu ce qu'on fait avec la blockchain et ce qu'on fait avec cette partie, ce segment de la blockchain qui concerne la crypto-monnaie, ce Bitcoin. Alors, tiens, première question avec vous, Nicolas Bacca de Ledger. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette flambée du cours? Voilà, on a vu ça cet été, c'est monté. On s'est demandé ce qui se passait et vous allez nous expliquer pourquoi. Voilà, alors je peux vous donner une petite explication technique. Oui. Parce qu'effectivement, il s'est passé pas mal de choses cet été. Donc Bitcoin était dans un état de stagnation, je dirais technique, depuis un certain temps. Et cet été, on a réussi à montrer en fait que Bitcoin pouvait évoluer. Donc on avait des évolutions du protocole qui avaient été planifiées de longue date, qui n'étaient pas prévues. Et pendant cet été, on a eu une première évolution qui est passée, donc concernant la scalabilité et l'augmentation des performances de Bitcoin, qui va être activée d'ailleurs dans les jours à venir et qui va encore ouvrir la porte vers des nouveaux horizons, je dirais, pour Bitcoin. Et surtout, on a montré que même en cas de désaccord, Bitcoin restait fort, donc Bitcoin restait uni et qu'au final, les forks qui pouvaient se créer autour de Bitcoin n'avaient pas d'impact. Les forks, donc c'était les monnaies, je dirais, dérivées de Bitcoin, mais menées par des gens qui s'opposent aux décisions principales du protocole, donc les propositions alternatives à Bitcoin émanant de Bitcoin, n'ont finalement pas d'influence négative sur lui, sur l'original. C'est ça, c'est-à-dire il y a un groupe qui a lancé, ils l'ont appelé le Bitcoin Dash. Cash. Bitcoin Cash, et puis finalement on a vu que le Bitcoin était suffisamment résistant en lui-même pour résister à cette attaque, et donc ça lui a redonné cette valeur, et c'est ce qui explique comme ça cette flambée des cours. On s'est dit, finalement, Il est pas si instable que ça, il est plutôt fiable et allons-y. Voilà, alors je dirais que c'est pas vraiment une attaque, c'est une vision différente, parce que Bitcoin c'est une monnaie qui évolue comme Internet, donc Internet c'est un environnement très chaotique. Bitcoin évolue aussi par lutte permanente. Donc Bitcoin c'est l'écosystème de la lutte et au final qui réussit à converger vers quelque chose. Là on a vu que ces deux visions-là, je vais pas dire qu'elles se complètent, mais en tout cas qu'elles peuvent exister. Alors c'est ça, le Bitcoin, alors ça a été créé il y a 9 ans à peu près, donc ça valait rien. C'est ça, aujourd'hui, on estime, je crois, que la masse de Bitcoin en circulation, c'est aux alentours de 60 milliards de dollars à peu près. Ça va être un petit peu compliqué à évaluer, mais je pense oui. Oui, c'est à peu près dans ces eaux-là. On s'en sert pourquoi, Pierre Entremont, du Bitcoin? Alors le Bitcoin, en fait, Puis on reviendra aussi sur son côté sulfureux, parce qu'au départ, c'était un petit peu ça. Alors le Bitcoin, en fait, c'est un or numérique. C'est l'équivalent de l'or, donc c'est un actif qui s'échange sur Internet de façon décentralisée et dont le cours, en fait, est le produit de l'offre et de la demande sur les marchés. Et donc, c'est utile. Je viens de comprendre, du coup, avec ce que vous venez de dire, parce que j'ai lu une définition, l'or, c'est le Bitcoin sans l'électricité. Je me disais, vous l'expliquez. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tous les mineurs sont en Chine, c'est qu'ils sont derrière les barrages hydroélectriques, pour l'anecdote. D'accord. L'électricité. Et donc, le Bitcoin, c'est comme l'or, et donc c'est utile pour transférer de la valeur ou pour en stocker, en fait. Et c'est cet usage-là, en fait, qui a fait toute la croissance qu'on a vue. Et pourquoi est-ce qu'en fait c'est pratique? C'est que c'est rare, c'est sûr et c'est sécurisé. C'est rare, donc on sait qu'il y en a 21 millions, il n'y en aura pas 22 millions. C'est écrit dans le code. Contrairement, toutes les monnaies ne peuvent pas dire ça, avec les banques centrales, etc. C'est sûr, donc si j'ai un bitcoin, il est à moi, personne ne peut le prendre. On parle de crypto-monnaie, ce côté... C'est tout un système de cryptographie qui permet de s'assurer que personne ne me le prendra, ni État, ni autre. Et troisième chose, c'est sécurisé. C'est simple, pardon. Et donc c'est simple, donc envoyer un bitcoin, c'est aussi simple qu'envoyer un email. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire, tout se fait de pire à pire, de pair à pair. Et donc toutes les complexités technologiques ou réglementaires qu'il peut y avoir dans une transaction financière traditionnelle, en fait ici elles ne sont pas là. Et tout ça c'est géré par une communauté, c'est ça. Il n'y a pas une Bitcoin Academy ou une Bitcoin Association. On n'a pas d'association qui va définir ce qu'est Bitcoin. On a plusieurs acteurs qui vont
tenter de maintenir un équilibre entre eux. Donc on va avoir les mineurs qui vont tenter de maintenir un équilibre avec les développeurs, les utilisateurs, les marchands. Alors les mineurs, c'est ça, hein, on va souvent parler là, dans ce focus là, sur BFM Business des mineurs. Les mineurs, c'est ça, c'est les développeurs, c'est les codeurs. Alors le rôle, non, pas exactement. Le rôle, je dirais, exact des mineurs, ça va être de sécuriser le protocole. D'accord. en tirant des blocs, en réalisant des épreuves cryptographiques qui vont permettre en fait de donner sa valeur au Bitcoin, donc qui vont lui permettre de le rendre difficile à casser. Mmh. Donc les mineurs, c'est avant tout des gens qui vont faire des calculs qui servent à sécuriser le réseau. Donc, et ils font des calculs sans cesse pour toujours sécuriser davantage. Voilà, donc ils font des calculs sans cesse et ils sont rémunérés justement en fonction de la complexité de ces calculs. Donc on a une incitation, le réseau a sa propre incitation à rendre les calculs de plus en plus compliqués, donc pour le rendre de plus en plus renforcé. Et ces mineurs, ils travaillent pour qui aujourd'hui? Ils sont dans des sociétés spécialisées en Bitcoin ou ils sont chez des IBM, chez des sociétés de services? Alors, c'est des nouvelles sociétés qui se sont créées un petit peu comme je dirais toutes les startups autour du Bitcoin. Mm-hmm. Ça, on a eu une évolution du mining qui allait à l'origine de gens qui minaient sur des ordinateurs, puis ensuite qui ont commencé à miner sur des cartes graphiques, qui se sont mis ensemble pour réussir à miner plus efficacement sur des cartes graphiques, puis qui ont créé des chips spécialisés pour pouvoir miner de façon encore de plus en plus efficace. Oui, et ça s'est en fait professionnalisé. Au début, vous pouviez depuis votre appartement, oui, avec votre ordinateur, miner des bitcoins. Et puis évidemment, comme tout, ça s'est professionnalisé. Maintenant, c'est des gens dans des grands hangars en Chine, juste derrière les barrages hydroélectriques, avec des infrastructures qui sont impressionnantes et qui sont en fait finalement un petit peu centralisées, parce que vous avez des gens qui représentent 15% du réseau total, 20% mm-hmm. du réseau total, et même je crois savoir que les Chinois représentent 70% des mineurs. Alors justement, c'est une question, parce qu'on parle beaucoup des Chinois, on parle beaucoup des Russes aussi. Mm-hmm. Pourquoi c'est eux qui ont la mainmise là, sur ce Bitcoin? Les Chinois, ils ont la mainmise au niveau des mineurs en tout cas. Mm-hmm. La majorité des mineurs sont chinois, notamment parce que l'électricité n'est pas chère. D'accord. Là-bas. Ça, c'est un fait. Donc, ils peuvent utiliser de la capacité de calcul. Exactement. Beaucoup moins cher. En fait, le Bitcoin, c'est un moyen de convertir de l'électricité en dollars. D'accord. C'est pour eux. Ouais. Et donc, ça, c'est pour les Chinois. Ce qu'on peut dire aussi sur la Chine, c'est que comme c'est parfois difficile pour eux de convertir du yuan dans d'autres devises, c'est aussi un moyen d'évader du yuan de façon sécurisée. Pour échanger des choses, oui. Donc ça, c'est pour la Chine. Et ensuite, pour la Russie, effectivement, on a vu récemment que apparemment le gouvernement russe s'intéresserait au sujet des crypto-monnaies. Mmh. Alors peut-être pour faire des monnaies de réserve, peut-être pour d'autres usages, c'est pas encore très clair. Et autre anecdote sur le sujet des États avec les cryptos, paraîtrait que la Corée du Nord fait partie des mineurs de Bitcoin pour justement générer des devises, des dollars, etc. Alors ça, c'est les mineurs. Alors qui sont les autres acteurs autour de ce Bitcoin Alors donc, on va avoir les développeurs qui, eux, vont réaliser, je dirais, les différentes améliorations qu'on peut avoir sur le protocole. Donc là-dessus, ça se passe d'une manière assez classique pour un protocole open source. On a des communautés de développeurs qui se créent, qui font des propositions et au final, ça marche. C'est une méritocratie. Donc les développeurs qui vont créer les propositions les plus intéressantes vont se faire intégrer dans le protocole et la communauté va décider de quelles améliorations on a envie de voir. Donc on a la communauté en elle-même, donc les utilisateurs qui, eux, au final, vont représenter la voie du marché et vont déterminer vers quelle solution on va. Donc là, ça peut être des industriels, des financiers. Voilà, ça peut être des particuliers, des industriels, des financiers, des hedge funds, des sociétés qui souhaitent même contribuer, je veux dire, ou investir dans des crypto-monnaies pour des raisons complètement, je dirais, personnelles. On peut avoir un petit peu de tout. Donc on a aussi dans cet écosystème-là des marchands et des échanges. Mmh. Ils jouent des rôles importants. Donc les échanges sont la passerelle entre les crypto-monnaies et les monnaies traditionnelles. Et les marchands eux-mêmes vont définir un petit peu l'adoption de la crypto-monnaie. Parce qu'aujourd'hui, une crypto-monnaie fonctionne pas uniquement, je dirais, si les gens la conservent, elle va fonctionner si les gens peuvent l'utiliser. Donc ce qui fait la force de Bitcoin, par exemple, par rapport à d'autres crypto-monnaies aussi aujourd'hui, c'est qu'on commence à accepter Bitcoin de plus en plus facilement. Mmh. Par exemple, au Japon, on a eu récemment une campagne qui a été montée pour pouvoir payer de plus en plus de choses naturellement en Bitcoin. Et alors, comment, parce que vous le disiez tout à l'heure, on a 21 millions de Bitcoin. On aura 21 millions de Bitcoin. Et ça s'arrêtera là. Et comment, alors, moi, si je veux en détenir là, aujourd'hui, comment je fais concrètement, Pierre Entremont? Alors, c'est ce que disait Nicolas, vous pouvez aller sur un exchange, en fait, mm-hmm. un peu comme ce qui se passe pour les actions en bourse. D'accord. Une place de marché où se rencontrent l'offre et la demande, avec des gens qui souhaitent vendre leur Bitcoin ou leurs autres crypto-monnaies.
Et donc c'est un système d'offres et de demandes, et d'accord, vous allez pouvoir comme ça trouver des gens qui vont vouloir vous les vendre. Et c'est des échanges qui sont très importants, hein. Mm-hmm. C'est des volumes de plusieurs milliards par jour, plusieurs milliards de dollars par jour. Et c'est des entreprises qui n'existaient pas il y a deux ans et qui, avec l'augmentation des cours qu'on voit là depuis six mois, sont en train d'exploser, quoi. Oui, et donc des entreprises de mineurs notamment qui sont là-dessus. Est-ce que ça veut dire qu'on estime qu'aujourd'hui on peut définir le nombre de détenteurs de Bitcoin dans le monde aujourd'hui, je sais pas, Nicolas Bacard. Alors c'est toujours là, étant donné que le Bitcoin est pseudo-anonyme, mm-hmm. c'est compliqué, je dirais, de répondre à la question, puisqu'on peut voir des transactions, on peut voir des échanges, on peut déterminer des volumes. D'accord. Au final, on ne sait pas vraiment qui sont derrière ces volumes. D'accord. Donc on peut avoir des estimations vagues en regardant, par exemple, le nombre de porte-monnaie qui vont être créés par des sociétés comme blockchain.info, mm-hmm. ou des sociétés qui sont très importantes sur le marché, je dirais, et qui sont quelque part des points de centralisation pour les utilisateurs, mais on va juste pouvoir en tirer des estimations. On ne va pas pouvoir savoir exactement si derrière, par exemple, si derrière 100 000 adresses, on a 100 000 utilisateurs ou un utilisateur qui a 100 000 adresses. Et alors, comment on explique au départ, parce que c'est vrai, le Bitcoin a tout de suite eu une réputation un peu sulfureuse, hein. Je ne parle pas de son instabilité. Là, visiblement, on voit que l'instabilité, on l'a dépassée avec ce qui se passe en ce moment sur le cours. Mais voilà, on parlait du Bitcoin, voilà, c'était la monnaie d'échange des mafieux, des trafiquants en tout genre. Ça s'est changé sur le Deep Web. Enfin, voilà, comment c'est arrivé ça, c'est un petit peu comme Internet. Au démarrage, les premières personnes à y avoir trouvé une utilisation vraiment très utile dans leur ouais. contexte, ça a été des gens pas forcément très recommandables. Mm-hmm. Et donc avec Bitcoin, effectivement, au début, on a pu voir la même chose. Ce qu'il faut voir quand même, c'est que Bitcoin n'est pas si anonyme que ça. On mm-hmm. peut tracer toutes les transactions. Ouais. Et que en fait, il y a d'autres crypto-monnaies qui sont, elles, faites pour les usages vraiment illégaux. Parce qu'on ne peut pas tracer ce qui s'y passe. Mm-hmm. Et ce n'est pas Bitcoin. D'accord. Mais effectivement... ça veut dire que lorsqu'on avait... Je reprends l'exemple qu'on a eu c'était même cet été, oui, enfin au printemps, ouais. à l'été, de ces ransomware qui étaient ouais. demandés voilà, et paraît-il, les rançons étaient demandées en Bitcoin. On pouvait tracer, essayer au moins de tracer vers où allait le paiement. Après, une fois que l'argent est échangé, là, on sait effectivement, plus où, là, mais... c'est pas si facile que ça pour eux d'ensuite, une fois qu'ils ont les bitcoins, les blanchir en quelque sorte. Mm-hmm. Pour en arriver à un stade où plus personne ne peut les soupçonner, c'est pas si facile que ça. C'est possible, mais ça demande quand même des efforts. Oui, c'est ça, Nicolas Bacas, autour de cette réputation sulfureuse du bitcoin. Oui, donc il y a effectivement des sociétés qui se sont spécialisées aujourd'hui dans le tracé de bitcoin. Donc mm-hmm. c'est pas vraiment difficile. Je dirais la réputation sulfureuse est arrivée au démarrage, puisque le bitcoin était rattaché à rien. Donc effectivement, rattaché à rien, on avait dans l'imaginaire collectif en fait que du coup ça pouvait servir à tout et n'importe quoi. On s'est rapidement rendu compte, donc en étudiant un petit peu plus sa technique, qu'effectivement c'était pas si anonyme que ça. Et en fait, c'est beaucoup plus dangereux, même je dirais aujourd'hui, si vous êtes un criminel, de réaliser une transaction en bitcoin plutôt que de réaliser une transaction en cash. Mm-hmm. Parce que si vous réalisez une transaction en bitcoin, vous laissez une trace indélébile dans la blockchain. Cette trace, vous la retrouverez n'importe quand. Et si un jour, par malheur, 20 ans plus tard, on est capable de remonter une adresse, mm-hmm. et de prouver que cette adresse vous appartenait, on a une trace irréfutable de votre action. Bon, eh bien, on va s'ouvrir à ça. Allez, on va marquer une courte pause et puis on va continuer à parler du Bitcoin. J'espère que vous comprenez bien, vous suivez bien, parce que c'est une technologie, voilà, on en parle de façon assez simple, mais on essaie de décrypter justement cette technologie, et puis on voit tous les enjeux, hein. Je vous rappelle ce cours de Bitcoin qui s'est enflammé cet été, passant de 2000 euros fin juin à plus de 3600 euros ces jours-ci. Voilà, mais finalement, c'est une bataille qui a montré que le Bitcoin était une monnaie viable, et on va en reparler avec nos invités. Allez, on marque une courte pause. N'oubliez pas, réagissez le hashtag TechCo, T-E-C-H-C-O sur Twitter. Allez, à tout de suite sur BFM Business. BFM Business et 01net.com présente Tech & Co, le grand live du numérique avec Frédéric Simotel. Notre focus dans Tech & Co sur BFM Business, on parle du Bitcoin, cette crypto-monnaie qui a flambé, hein, véritablement cet été. Le cours était à 2000 euros fin juin, il est à plus de 3600 euros aujourd'hui, donc vous voyez, en quelques semaines. On en parle avec nos experts, Nicolas Bacca, cofondateur et CTO de Ledger, qui propose des portefeuilles pour les crypto-monnaies. Tiens, vous allez nous expliquer justement ce que fait exactement Ledger. Et puis Pierre Entremont, qui est principal chez Otium Venture, qui est un fonds d'investissement spécialisé dans la tech.
un portefeuille pour les crypto-monnaies. Racontez-nous ce que fait Ledger. Oui, alors très simplement, je dirais qu'on réinvente en fait la carte à puce pour la rendre utilisable pour l'utilisateur dans sa vie de tous les jours. Aujourd'hui, la carte à puce, ce n'est pas un objet qui est fait pour aller sur Internet. Mm-hmm. On fait des cartes à puce qui vont sur Internet. Donc, qui va sur Internet? La monnaie d'Internet. Et la monnaie d'Internet, ce sont les crypto-monnaies aujourd'hui. Mm-hmm. Donc, au final, on réalise des objets de sécurité à la fois pour les utilisateurs, pour leur permettre de stocker et d'utiliser ces crypto-monnaies de la manière la plus sécurisée possible. Et on va faire la même chose pour des entreprises qui souhaitent investir dans des crypto-monnaies et qui souhaitent donc protéger ces investissements. Alors justement, vous parlez des crypto-monnaies, c'est un sujet... J'imagine que beaucoup de gens qui nous écoutent ce soir se disent « mais je pensais qu'il y en avait une seule, le Bitcoin ». Alors on a entendu cet été qu'il y a eu ce Bitcoin Cash qui est venu un peu concurrencer, puis qui a été, je dirais pas balayé, mais enfin qui a été bien mis de côté. Il y a plusieurs crypto-monnaies comme ça, faire autrement ? Même plus que ça, en fait, le Bitcoin représente moins de 50% du marché total. Parce qu'en fait, Bitcoin, c'est un réseau blockchain sur lequel l'information qui est échangée est une information financière. Mm-hmm. Vous détenez 2 bitcoins, moi je détiens 1 bitcoin, c'est ça l'information qu'on s'échange. D'accord. Il y a d'autres types d'informations qu'on peut échanger sur des réseaux. Ça peut être une information, par exemple, du partage de voitures. Dans le cas de Uber, par exemple, on peut faire un réseau Uber sans l'entreprise Uber. Ça peut être l'information sur un système de partage de fichiers. On peut faire un système à la Dropbox sans l'entreprise Dropbox. À chaque fois qu'il y a un réseau, on peut imaginer ce même réseau décentralisé sans organisation pour le centraliser. Et alors, ces entreprises-là qui mènent ce type de projet, elles créent leur propre crypto-monnaie. Donc, ce n'est pas Bitcoin, il y a des choses qui s'appellent Filecoin ou Augur, etc. Et au moment où elles créent cette monnaie, elles ont la possibilité en fait, de la vendre à leurs utilisateurs et de lever des fonds. Et donc, on appelle ça les ICO. D'accord. Et là, on reste dans cette communauté alors de... Exactement. Vous parliez de vente de voitures, là, on reste dans cette communauté-là. Exactement. Et on parle, en fait, il y a un parallèle qui est intéressant, on parle de tribus Internet, en fait. Ouais. Elles créent leur monnaie, elles le vendent à leurs 2000, 5000, 10 000 supporters qui donnent de l'argent en échange, et c'est ça qui finance l'entreprise. En définissant toujours un certain nombre, enfin chaque crypto-monnaie a son, on disait Bitcoin tout à l'heure, on ira vers le 21 millions, point final. Plus et chaque crypto-monnaie... Il y a des formats fixes, il y a des formats variables, mais globalement ce qui ne change pas, c'est qu'on est capable de lire dans le code source ce qui va se passer, ce qui n'est pas le cas dans le code source de la Banque Centrale. Oui, non, c'est un peu plus compliqué. Et donc avec ce phénomène des ICO, des Initial Coin Offering, de même qu'il y a des IPO sur les marchés financiers où on introduit des actions en bourse, c'était au début anecdotique et c'est devenu très gros, notamment cet été, en 3 mois, plus d'1 milliard levé, donc 2 fois plus que ce qui s'est passé sur le marché du venture capital mondial en early stage. Donc ça a d'ores et déjà disrupté les VC, au moins sur ce plan mathématique-là. Et il y a beaucoup d'investisseurs qui s'y intéressent et c'est vraiment un nouveau monde qui est en train de s'écrire. En fait, l'idée, c'est de dire qu'il y avait, dans la V1 de l'Internet, on a connecté les gens sans vraiment trop savoir comment faire. Donc, on a demandé à des organisations centrales comme Facebook ou Google de s'en occuper, d'administrer les échanges. Ça a créé des monstres qui ont la main sur la data et qui... Même sans leur demander, ils l'ont un peu pris, voilà, ils ont la main mise dessus sans trop demander, mais en tout cas, voilà, ça... On ne savait pas faire autrement. Ça a rendu service, en tout cas. Ouais. Et donc, ça a créé des grosses organisations qu'on ne sait plus arrêter et qui ont un pouvoir qui est disproportionné. Et du coup, l'idée, c'est que grâce à la blockchain, on peut inventer une V2 d'Internet, qui est une V2 sans organisation centrale, qui se fait toute de point à point, et où la valeur reste au niveau des utilisateurs du réseau, et qui en profitent pour eux-mêmes. Et c'est pour ça que ça intéresse les venture capitalistes en ce moment, c'est que c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de tirer dans les pattes de Facebook ou Google. Oui. Et j'imagine, Nicolas Bacca de Ledger, que tout ça crée de la valeur, que dans les entreprises aujourd'hui, on doit avoir des entrepreneurs qui nous écoutent aujourd'hui, des patrons d'entreprise, des dirigeants, des cadres, on doit avoir son unité blockchain, crypto-monnaie aujourd'hui dans Aujourd'hui, je dirais que c'est important de regarder ce qui se passe déjà, parce que ça peut apporter des choses à peu près n'importe quelle entreprise, je pense, même si on ne tient pas à adopter directement la blockchain. Donc ça peut être compliqué d'adopter tous les principes de la blockchain, par exemple. Aujourd'hui, on parle d'une blockchain décentralisée, on parle de résistance à la censure, on parle de choses qui sont quand même assez, je dirais, voire politisées souvent. On peut avoir des notions complètement privées de blockchain, donc qui peuvent correspondre plus au désir d'une entreprise. Et surtout, on peut éclater... D'une tribu, là, comme vous disiez tout à l'heure. Et surtout, on peut éclater les composants de la blockchain en différentes parties et au final, prendre ce qui intéresse. Donc j'ai tendance à dire que la blockchain, même toutes les crypto-monnaies, si jamais
on assiste un jour à un échec, on pourra toujours en retirer des choses très intéressantes, mm-hmm. notamment au niveau de la cryptographie. On aura fait beaucoup d'évolutions sur la protection des données, sur le transfert de données d'un point à un autre, par exemple. Mais d'après ce que vous nous dites, c'est quand même bien parti pour que ce soit, là on entend un milliard d'investissements. Vous n'allez pas démentir parce que vous êtes dans ce domaine-là en plus, mais on sent que c'est quand même, c'est pas un feu de paille. Quoi. C'est pas du tout un feu de paille, mais tout, je dirais, c'est surtout une traction qui va entraîner, je pense, avec elle, beaucoup de technologies qui sont un petit peu anciennes. En tout cas, mm-hmm. par exemple, le monde de la cybersécurité aujourd'hui a beaucoup à apprendre de la blockchain pour être plus abordable et pour être plus performant. On va retrouver la même chose dans des protocoles de vote, par exemple, qui pourront évoluer grâce à la blockchain, sur des protocoles de gestion d'identité qui pourront aussi être rendus beaucoup plus transparents grâce à la blockchain. Donc on va pouvoir, sans aller jusqu'à la disruption, je dirais, d'autres secteurs d'activité, mais au moins en tirer des apprentissages très instructifs. Et ça veut dire que c'est inviolable, c'est-à-dire moi, même si je suis le génie des codeurs, le Bitcoin, pour vivre au moins sur cette monnaie-là, sur cette crypto-monnaie, c'est inviolable parce que justement il y a tous ces mineurs qui travaillent autour et qui sans cesse sont en train d'améliorer le... Alors la cryptographie aujourd'hui en elle-même de Bitcoin n'est pas cassable à l'heure actuelle des connaissances mm-hmm. en matière de cryptographie. Mm-hmm. Ensuite la résistance du réseau va rendre sa manipulation de plus en plus difficile. Oui, c'est ça. Plus il y a cette communauté-là, plus ça devient compliqué. Pire entre monde. Ouais, je voulais ajouter sur le sujet des entreprises qui peuvent être intéressées par ce sujet-là. Il faut voir que... La blockchain est intéressante quand il y a un réseau, en fait. Mmh, c'est ça, que quand on parle de réseau. Sinon, si vous fabriquez des voitures, alors peut-être au moment où vous allez les vendre, peut-être au moment où vous allez... On parlait, je sais que Peugeot travaillait là-dessus, on avait parlé, enfin, ils en avaient parlé chez Stéphane Soumier, où le carnet d'entretien de la voiture pourrait être, voilà, plutôt qu'avoir le tampon, on ne sait jamais si c'est le tampon, puis parfois on l'oublie, puis parfois on ne sait pas trop qui l'a Parce fait. Que là, vous avez une situation de réseau. Voilà, on pourra avoir une chaîne cryptée qui indiquerait bien que la voiture a été révisée. Parce que là, vous avez une situation de réseau, vous avez donc la personne qui va certifier que la voiture est conforme ou non, mm-hmm. le conducteur de la voiture, le propriétaire de la voiture, le dernier garagiste à avoir intervenu dessus, etc. Et donc tous ces gens en fait forment un réseau. Et donc c'est bien, on est bien dans une situation où on a un réseau. Et donc c'est seulement dans ce cas-là que la blockchain fait du sens. Mm-hmm. Donc c'est pas dans tous les cas. On pourrait revenir un instant, je reviens sur ces ICO là, pour bien mm-hmm. comprendre, vous disiez, les fonds d'investissement comme le vôtre, la Otium Ventures, sont contents, on va pas dire que leur but ultime n'est pas toujours de donner des coups de pied à Facebook et Google, mais voilà, sont satisfaits de pouvoir un peu se démarquer de Google et Facebook. Revenir un instant là-dessus, voilà, comment vous passez, si vous voulez investir dans le prochain Facebook ou Google, c'est le rêve de tout venture capital. Oui. Sauf que on ne sait pas comment faire. La seule chose dont on est sûr, c'est que le prochain Facebook ne ressemble pas à Facebook. Mmh. Ça, c'est sûr. Oui. Et du coup, ça sera quelque chose de différent, radicalement différent. Et là, il y a une piste de se dire, alors, pour l'instant, c'est très jeune, on ne sait pas exactement où ça va aller, mais ça tient debout de se dire que peut-être cet angle-là, avec du temps et de l'attraction et de l'argent, etc., mmh. peut-être que ça peut aboutir à la suite. Et donc c'est ça, c'est une des choses qui mobilise l'intérêt des investisseurs. Et je pense qu'il y a une deuxième raison pour laquelle les investisseurs sont très intéressés aussi, c'est qu'un des réseaux que les blockchains disruptent, c'est le réseau de l'investissement. Parce que autrefois, enfin, il y a 3 mois, pour un entrepreneur qui voulait se financer, il y avait pas énormément d'autres solutions que les venture capitalistes, les business angels, etc. Maintenant, si jamais votre projet est compatible, donc si c'est un réseau, si ça touche à des sujets blockchain, vous pouvez faire votre ICO et lever relativement facilement 5, 10, 15 millions de dollars. Donc quand on dit à des VC qu'ils sont en train de se faire disrupter... En plus, sans diluer son capital... Enfin, parce que en plus, avec une dilution différente, en tout cas. Oui, c'est ça. Et donc, quand on dit à des VC, à des investisseurs qu'ils sont en train de se faire disrupter, ben, on a leur attention, en fait. Ouais, donc ça, c'est deux raisons qui expliquent qu'il y ait beaucoup d'intérêt. Et je pense que Nicolas l'a vu aussi, le voit aussi. Il y a beaucoup d'argent institutionnel qui va arriver sur le marché, là, en septembre, octobre. Des gens qui ont remarqué l'augmentation déjà, du cours. Déjà 1 milliard hein, sur 2017. Alors, 1 milliard, ça, c'était justement, c'est des particuliers, en fait. Ouais. C'est des gens... Oui, quand les institutionnels vont arriver, ça va encore plus. Tout à fait, oui. Et en fait, les institutionnels qui ont pu observer avant l'été la montée, l'excitation, etc., qui ont pris la décision d'investir à ce moment-là,
Mais sauf qu'il faut 2, 3, 4 mois pour se mettre en ordre de bataille. Il faut des sujets compliance, des sujets de sécurité, parce que c'est des titres porteurs, en fait. Oui, donc, oui, il est bien évident que vous n'allez pas les garder dans votre bureau. Il faut des systèmes de sécurité pour ne pas se mettre en danger. Donc, le temps de régler tous ces problèmes-là, l'argent, il va arriver maintenant, septembre, octobre, novembre. Et on peut s'attendre à un gros volume d'argent sur le marché. Nicolas Bacca de Ledger, pourquoi les États aussi s'y intéressent? On parlait de la Russie et de la Chine, mais enfin, voilà, pourquoi un État Déjà parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est dur d'ignorer le phénomène. Au départ, on pouvait dire que bon, voilà, les crypto-monnaies, effectivement, c'est un petit épiphénomène auprès de férus d'informatique. Mais aujourd'hui, on a un petit peu dépassé ça. On rentre dans le domaine de l'investissement direct. Et voilà, on est maintenant des actifs financiers respectables. Donc déjà d'une part. Après, je pense que ça permet de s'affranchir effectivement de l'influence de tiers, et ça permet de gérer sa propre politique soi-même. Ça peut permettre aussi plus de transparence. Alors ça, bon, après, ça va être une question de savoir si ça peut intéresser ou pas un État. Mais en tout cas, ça permet déjà de s'affranchir de règles externes. Donc ça peut aussi renforcer, je pense, on a vu ça par le mining, la puissance d'un État à l'international, puisque ça contribue, je dirais, ça peut démontrer que bon, bah, l'État est quelque part à la pointe de l'innovation sur un certain domaine. Donc, ça démontre de l'innovation dans des domaines quand même assez pointus d'électronique et d'optimisation. Donc c'est pas non plus négligeable comme message, je dirais, envoyé au monde. Et nous, on a une carte à jouer. Évidemment, la France, on est bon en mathématiques, donc ça veut dire on est bon en programmation. La France est le pays de la carte à puce, donc c'est pour ça que là-dessus, nous, on s'est bien positionné sur le secteur, donc en réfléchissant un petit peu à l'évolution. Donc vous avec Ledger, je le rappelle. Voilà, de cette technologie-là. Donc là-dessus, on est, je dirais, on construit sur la base de grandes innovations françaises qu'on a pu avoir dans le passé, dans les télécoms et dans l'industrie bancaire. Après, on a aussi, je pense, beaucoup d'opportunités, comme vous le disiez, au niveau des chercheurs, donc au niveau des connaissances en mathématiques. Par exemple, en France, on a beaucoup de travaux qui ont été faits sur les preuves formelles, donc sur les démonstrations en fait mathématiques d'intégrité du code, qui sont des choses aussi assez importantes sur les blockchains. Aujourd'hui, on a plusieurs projets qui sont basés sur ces principes-là, dont un important en France, donc Tezos. Ça fait avancer la recherche, en tout cas, de la programmation dans ce domaine. Pierre Entremont. Oui. Après, sur la relation entre les États et ce sujet de cryptocurrency, ICO, etc., il est bien évident qu'un milliard levé sans aucune réglementation, parfois en quelques minutes, en trois mois... Ça pose des questions. Ça peut pas continuer comme ça. Donc, il va y avoir une réglementation. Pour l'instant, la SEC américaine a pris la parole. On va commencer à prendre la parole en expliquant qu'il fallait bien faire la différence, que dans certains cas, ça ressemblait à des actions et que donc ça allait être réglementé comme les actions, que dans d'autres cas, c'était d'accord parce que c'était des cas particuliers. Bon, c'est très embryonnaire. Ça dépendra des tribus, Effectivement, plus c'est une tribu d'une forme totalement nouvelle, plus c'est d'accord, et plus en fait c'est comme les actions d'avant, moins c'est d'accord. Bon. Et donc tout ça est embryonnaire, tout ça va beaucoup évoluer, et effectivement tous les pays ont leur carte à jouer en étant plus ou moins arrangeants, plus ou moins cette innovation-là. Et ça, l'histoire s'écrit en ce moment. Eh bien, l'histoire s'écrit. En tout cas, on a essayé d'écrire un petit bout d'histoire avec vous, messieurs. Merci. Nicolas Bacca, cofondateur, CTO de Ledger, donc qui propose des portefeuilles pour les crypto-monnaies. Et Pierre Entremont, principal chez Autium Ventures, donc un fonds spécialisé, on a bien compris, dans ces ICO. On en reparlera ici, bien entendu. Allez, tout de suite, on se retrouve le journal de la tech. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui en 24 heures dans la tech. Et il s'en est passé des choses. À tout de suite.